Valérie, quelles sont aujourd'hui les analyses de ta fédération sur le rôle que doivent avoir les banques et assurances dans le cadre de la crise sanitaire? Le rôle de nos secteurs dans la période, il est de deux ordres. D'abord comme employeur, puisqu'on est représentant des salariés, donc d'abord comme employeur, on pense que vu toutes les aides de l'État, CICE, pacte de responsabilité, exonération de cotisations sociales qu'ils ont reçues toutes ces dernières années, que les banques comme les assurances ne doivent pas faire appel aux aides de l'État pour compenser les pertes de salaire, pour compenser le chômage partiel, et que quelle que soit la situation des salariés, c'est aux entreprises de prendre en charge. Ça, c'est la première revendication qu'on a eue dans la période, parce que on pense à juste titre hein, que des entreprises ont plus besoin d'aide que les banques et les assurances qui ont des fonds propres, comme on sait, assez importants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vis-à-vis du public, des usagers des banques et des assurances, des assurés, des sociétaires pour les mutualistes. Comment aider à ce que l'activité reparte et qu'on ne se retrouve pas dans un chômage de masse? Donc là, ils ont un rôle important d'aide aux entreprises, mais pas que. Aujourd'hui, toutes les propositions qui ont été faites et les incitations faites ne sont qu'en direction des entreprises, en direction des TPE, des PME, avec le prêt garanti par l'État. Le gouvernement a aussi demandé aux assureurs de faire un effort. Ils ont abondé le fonds de solidarité de 200 millions dans un premier temps, de 400 millions après. Voilà. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi aider les particuliers parce que nombre de nos concitoyens vont avoir une perte de leurs revenus, mais leurs charges fixes d'EDF, d'eau, de chauffage, parce que bon, il a fait un peu froid là, au mois de mars, mais de loyer, tout ça, ça reste, et d'assurance, tout ça reste à la charge des particuliers. Donc là, il n'y a rien eu de fait. Et nous, on pense que d'une part, les assureurs pourraient aussi faire des efforts sur les cotisations des particuliers, mais aussi pour les banques, de limiter les frais bancaires, parce qu'on sait, il va y avoir des difficultés, donc on va se retrouver avec des clients et des usagers des banques qui vont avoir des découverts, pas forcément autorisés, donc ce qui implique des frais bancaires. Donc nous, on demande à ce qu'il y ait une limitation des frais bancaires pour pouvoir aider. Et que, comme pour les entreprises, la possibilité de reporter des échéances de prêt, par exemple, doivent être aussi accordées dans les mêmes conditions aux particuliers. Donc ça, c'est deux axes majeurs qu'on a revendiqués dans la période. Bon. Sur les particuliers, on n'a pas encore été écoutés, hein, puisque que ce soit le lobby bancaire ou que ce soit le ministre de l'économie, ils ont dit que bon, ce n'était pas la priorité. Alors, il y a d'autres questions qui vont se poser pour après, hein. C'est la constitution du système aujourd'hui, qui est privé, qui n'a pas pour les banques de séparation entre la banque de financement et la banque de détail. Donc, toutes ces questions-là doivent être remises dans le débat pour pouvoir changer la gouvernance des entreprises chez nous, qui est plus de contrôle social des banques, qu'il doit y avoir aussi plus de contraintes de financement de l'intérêt général, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, ce sont les banques qui créent la monnaie et qui prêtent à l'État, et pas la banque centrale. C'est une des discussions qu'on a entre nos deux fédérations. Pour les assurances, pareil, il va falloir qu'on réinvestisse les mutualistes plus qu'on le fait aujourd'hui, hein, puisque les sociétaires ont un droit de regard. Mais aujourd'hui, c'est tellement flou pour les particuliers notamment que les sociétaires se disent, ce n'est pas des questions pour nous, mais si, ce sont des questions pour nous et on peut réorienter en réinvestissant les assemblées générales, etc.
on peut réorienter les stratégies des entreprises. Mais la question centrale, c'est comment on fait aujourd'hui pour socialiser tout ce secteur économique. Socialiser les banques. Socialiser les banques, c'est toujours une question d'actualité. Alors, sur la socialisation des banques, aujourd'hui, on a des banques mutualistes qui sont soi-disant contrôlées par les clients. Un certain nombre en font la publicité, hein, en disant c'est la banque appartient à ses clients. Donc, si elle appartient à ses clients, on pourrait dire bah, c'est les clients qui décident. Sauf que le système est tellement biaisé. Je vous donne un exemple. Hein, pour les caisses d'épargne, les sociétaires ont leur droit de regard, sauf que quand il y a une assemblée générale, un sociétaire qui ne peut pas se déplacer peut donner un pouvoir à un autre sociétaire. D'accord ? Mais il peut donner un seul pouvoir. C'est-à-dire, François, Mourad, ils vont à l'assemblée et ils ont droit qu'à une voix supplémentaire par rapport à eux. Toutes les autres sont détenues par le président du directoire. Donc, on voit bien le déséquilibre et que ce n'est pas vrai aujourd'hui que dans les faits, la banque appartient à ses clients. Parce que en face, ceux qui sont physiquement présents, ils peuvent avoir un pouvoir. Et quand, à la tribune, le président du directoire, il en a 2752. Donc, il y a un déséquilibre flagrant. Donc là, il faut revoir cette question-là. Ce n'est pas possible qu'il y ait un déséquilibre aussi important. C'est un homme ou une femme, une voix, point barre. Voilà. Donc, et c'est la même chose pour les assurances. Hein. Et puis, sur la socialisation, plutôt sur la réorientation des assurances, je le disais tout au début, les banques travaillent à créer de nouveaux produits d'assurance. Bon. Et là, pendant la période, ils se posent la question de créer un nouveau produit d'assurance géré par les assurances privées qui ferait face à des situations comme la pandémie, la perte d'activité. Sauf que ça va être encore géré par les assurances. Donc, ce n'est pas ce que nous, on souhaite. Nous, on souhaite qu'il y ait un pôle public financier qui englobe aussi une partie assurantielle, hein, comme ça pourrait être le cas, comme le fonds de garantie des victimes, par exemple. À cette image-là, le fonds de garantie des victimes, il est à la fois public et privé. Donc, il faudrait renforcer cette idée-là d'un fonds de garantie, mais que ce soit une solidarité nationale, un peu à l'image de la sécurité sociale. En fait, il faudrait qu'on ait la même chose, mais pas que ce soit géré par le privé, parce que derrière, on sait bien, les assurances, qu'est-ce qu'ils font ? Ils placent les fonds sur les marchés financiers. Donc, on va refaire la même chose qu'avant. Et ce n'est pas ce qu'on veut, nous. On veut changer ce système-là. Tu pourrais nous préciser l'analyse de ta fédération sur la séparation des activités bancaires en quelques mots ? En quelques mots. Donc, sur la séparation bancaire, on a travaillé cette question-là à la fédération. Aujourd'hui, il y a juste une séparation des activités financières et de la banque de détail uniquement pour le compte de la banque, pour le compte propre de la banque. Pour tout ce qui est produits boursiers en général, il n'y a pas vraiment de séparation. Donc, ce qui veut dire que demain, on a une banque de financement qui place sur les marchés financiers, ça se casse la figure. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a de grandes chances qu'on aille ponctionner sur l'épargne des particuliers qui ont placé dans des placements plus sûrs, puisque si on prend l'exemple du livret A, alors ça aussi c'est un gros sujet, hein. Le livret A, quand il y avait un monopole de distribution des caisses d'épargne, de la Poste et du Crédit Mutuel, ça remontait en intégralité à la Caisse des dépôts et de consignations, donc banque d'État, et contrôlée par le Parlement, je le rappelle.
Donc, il y avait un contrôle des fonds. Il y a eu généralisation du livret A par l'ensemble des banques. Il n'y a plus que 65% des fonds qui remontent à la Caisse des dépôts et de consignations. Le reste dans le bilan des banques et ben, hop, on le fait passer dans la banque de financement et on le met sur les marchés. Donc, c'est ça qu'il y a vraiment un problème. S'il y a un pan qui se casse la figure, ben, c'est les autres qui vont payer. Et ça, c'est pas possible. Que les... Bon, moi, à titre personnel, la bourse, on peut en discuter. Mais s'il y en a qui veulent jouer, c'est comme que quand ils jouent au loto, hein, ils ont une chance sur deux de gagner. Ben là, ils ont une chance sur deux de perdre. Sauf que, en tant que particulier, on n'a pas forcément envie de jouer avec notre argent. Et quand c'est, les particuliers, la plupart des travailleurs, c'est l'épargne de toute une vie. Donc, est-ce qu'ils ont envie de jouer au loto avec leur épargne de toute une vie? C'est-à-dire, enfin, ou plutôt au casino. Voilà, plutôt, c'est plutôt là le. Est-ce qu'on a envie de jouer notre argent au casino? Ben voilà, ben non. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une séparation. Ceux qui veulent jouer, eh ben, ils jouent avec leur argent, ils perdent, ils assument. Mais les autres n'ont pas à assumer une perte de casino, de. Voilà. Pour faire simple, hein. Mais c'est compliqué de faire simple sur un sujet aussi vaste. Alors, une conclusion sur la banque dans le jour d'après? Si, il faut revoir tout ce système, quoi. C'est tout. Pour après, c'est pas le jour d'après, c'est faut tout changer, quoi. Faut tout changer et tout remettre dans le débat public. C'est ça qui est important. Il faut que les gens se rendent compte que l'argent, c'est pas une question de spécialiste. Il faut qu'on arrive à vulgariser les propos pour que ça rebute pas la population. C'est notre argent à toutes et tous. Voilà.